بسم الله الرحمن الرحيم، مشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons travailler la lecture de la deuxième partie de sourate al-mutaffifin du verset 22 à la fin de la sourate. بِإِذنِ اللَّهِ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Inna Inna. le avec Contrairement à la première partie, ici les deux ra » sont emphatiques et on laisse bien la hamza ainsi que la lettre ba aminci Abrahra « Innal abrara eber role le finnaï, également donc qu’il s’adresse à la roque de al-el eber i ki aon vodun. al-el eber la hamza amenssi, le ra » emphatique et on met bien la prolongation de quatre temps. al-el eber i ki <sus> i ki devrait cassar al On fait Al Irfa. Donc ici, étant donné que la lettre qui suit est une lettre emphatique, la runna prend de l'emphase. Le roi suivant donc est emphatique, et le waou aminci et sans Runa sur le waw. Al تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في on explicite les deux fa ici qui se suivent et on met donc de vrais kasra ainsi que de vrais damma تعرف في وجوههم هي هم on explicite donc les deux lettres ha avec leur kasra تعرف في وجوههم نظرة Donc, le DAD avec son emphase, attention à ne pas le confondre avec de la qalqala, n'est pas nadrata », mais nabarata, et également, donc, le nun » ici avec sa chedda, avec Ishba al-Runa. Ta'rifu fi wujuhihim nabarata naim Yusqawna min rahiqim makhtoum. Yus, kaouna, yus, une vraie dhamma, et le sien, on lui donne son temps avec son soukoun. Ensuite, il y a la lettre kaf, et tout le reste aminci dans ce mot. Yus, qawna, mirra, mirra, le noun étant grisé, ici, on doit appliquer l'assimilation, idram, kamil, sur la lettre ra, et on ne prononce plus de de runna. Mirra, directement sur le ra, avec sa chède Yuskauna mirrahi kim également une vraie cassera. kim Alors, ici, on fait idram. Rahi kim Donc, ici, la runa la plus longue pour el idram. Et on laisse bien le mime à main si Attention à ne pas lui donner de l'emphase. On a tendance à le faire étant donné la lettre emphatique kha kh qui est juste après. Mirrahi kim makh. Et pas moh, mais ma مخ يسقون من رحيق مختوم. وفيني غير مواليك ضمه. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. également ici donc itmam al harakat devrai kasra ainsi que devrait damma wa mizaju min tasnim wa mizaju min donc ici à la prolongation de deux temps du med al sila sughra wa mizaju min ta min irfa al de deux temps la ghunna aminsi suivi de la lettre ta qui est aminsi Mîn tasnîm devrait Kasra et sans runa sur la lettre ya qui est placée entre le nun et le mim. Wa mîzajuhu mîn tasnîm. Ainayy sharbuh bihal mukarrabun. Ainayy. Idram ici donc avec la runa la plus longue. La lettre ya ainsi que la lettre shin a minci, et c'est qu'arrivé à la lettre ra qu'on met de l'emphase. Alors, on a déjà croisé ce mot dans le verset 21. Également les mêmes remarques. On a minci bien le mime les deux lettres emphatiques sont le prof et le roi in alavina ajero moukhanou min alavina amanou on prononce bien la runna isba al rhonda ici pour le lunon avec sa shetda in alavina ajero moukhanou ajela jim أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يضح également on laisse le temps la ساكنة يضحكون avec également الحركات. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا ما لميم أمانسي مروا بهم دفغي كسرة مروا بهم يتغامزون ليا إلو أمانسي يتغامزون يكلا كي وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا إذا ق... الإخفاء avec une غناء de deux temps emphatiques puisqu'elle est suivie d'une lettre emphatique qui est à la lettre prof et pour l'exception de lettres kaf et prof le irfa est prononcé seulement par la cloison nasale je vous renvoie encore une fois vers la vidéo sur la dissimulation de la lettre noun de la série Embelli ton Quatre temps. Quatre temps pour les deux prolongations. « Exactement la même remarque qu'avant, c'est exactement le même mot, et « fakihin » avec, donc, de vrai cassant. « in » Il n'y a que l'être ra donc qui est emphatique sur cette première partie. Quatre temps. Le noun avec sa chadda on comme d'habitude oula i quatre temps puis quatre temps et ensuite laaloon ici nous avons el lazim kalimi donc c'est la prolongation la plus longue et je vous renvoie également à la vidéo des prolongations de la série béliton tajwid dans laquelle j'explicite toutes les différentes prolongations qui existent donc dans le Quran on n'oublie pas également donc l'intensification du son sur la lettre lam لضال لضالون ça permet donc de marquer encore plus la chedda sur la lettre là. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون Wama ursilu alayhim hafidhin Wama On prolonge 4 temps Ur Une hamza amasi avec une vraie dhamma Et le ra emphatique juste après Ur Ursilu si Une vraie cassera Wama أرسلوا عليهم حافظين Hafi Une vraie cassera sur le fa Également sur le za avec son emphase ظي pas ذي، on ne transforme pas en ذال، حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار كفى، كفى با كفار، ça c'est dans le dialect. من الكفار يضحكون. Et pour Yad HaKun, nous l'avons croisé juste avant. <'pareil de l 'akèque> C'est exactement le même verset que le verset 23, donc exactement les mêmes remarques. « Hal kuffar yaf'aloun »« Hal le tâchdit sur la lettre waw avec une vraie Kassra. Et pour le reste, deux vraies Kassra ainsi que deux vraies Dhamma. Je reprends depuis le verset 22. Innal l'abra la fi na'im. Ala l'ara'iki yanvurun. Tarifu fi wujuhihim nabratan na'im. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۗ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Voilà pour la relecture donc de sourate Al-Mutaffifin partie 2. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons travailler la lecture de sourate Al-Infitar. Barakallahu fikum wa alayna wa wa rahmatullahi